Un projet immobilier, un de plus, qui pullule actuellement en Corse et qui n'a que faire des orientations préconisées par le PADUC. Une centaine de militants ont répondu à l'appel du Comitato Nacionalista di Agraon. Ils demandent le retrait du projet de construction de 42 locaux commerciaux ici, au lieu dit Mandriolo, aux communes de Sarola. Les organisateurs notent des contradictions entre le PADUC, qui définit une zone pastorale, quand la carte communale autorise la construction, ou Gumitato renvoie le maire à ses promesses de campagne et invite à la réalisation d'un plan local d'urbanisme. Ce projet, nous, déjà, dans un premier temps, on n'en veut pas parce qu'on est tous paysans ici et tous en grande partie agriculteurs et tout. Et c'est une zone agricole, censée être agricole. Donc on n'en veut pas déjà pour ce premier point. Second point, parce que ça va créer des nuisances énormes et tertiaux, parce que on suppose bien que ça va débloquer toute la région et on n'a pas envie, nous, en tant que paysans, de vivre comme ça, comme si on vivait à Baleone ou qu'on vivait au milieu d'une colonisation. Hein. La demande de permis de construire a été déposée il y a un mois. Elle est instruite par les services de la CAPA, la communauté d'agglomération. Le maire de Sarre déclare être tenu au silence tant que la procédure est en cours. Le délai d'instruction habituel de 2 mois est porté à 5 mois, car une expertise supplémentaire a été demandée. In fine, l'édile aura délivré un avis. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui si ça sera un avis positif ou négatif, mais force est de constater que ce dossier qui est déposé à cet endroit, de type plutôt commercial ou artisanal ou presque industriel, pour moi, n'a pas sa place dans ce paysage, dans cet environnement, dans cet écrin. J'ai demandé au service de l'État, dès que j'ai vu ce permis sur mon bureau, donc notamment l'Adréal, qu'une étude d'impact soit réalisée. Ce matin, signe d'une large adhésion dans le mouvement nationaliste, les 4 principaux partis étaient représentés.